Bonsoir à tout le monde. Ok. On va faire un lavage. Mais avant ça, je voudrais que vous compreniez ce qu'on va faire. Donc, j'ai deux, trois explications que je voudrais vous donner. Premièrement, je veux que vous compreniez que chacune est maîtresse de sa vie. Chacun est maître de sa vie ou de son destin. Donc, je vais inviter le Saint-Esprit. Je vais demander sa présence. Donc, Saint-Esprit, merci. Merci d'avoir permis à ces femmes d'être ici aujourd'hui. Je sais que chaque destinée ici représentée est dans ton cœur, Seigneur. Nous savons que tu ne fais pas de gâchis. Tu ne crées pas des personnes pour qu'elles souffrent. Donc, Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est venue. Je te remercie pour la santé. Je te remercie aussi pour la vision que tu mets dans notre cœur. Pendant que je vais enseigner, je demande, Seigneur, que tu ouvres leur esprit. Je viens détruire les malédictions générationnelles, les pensées qui avaient été passées par leurs parents ou grands-parents. Que tout ce que ces personnes ont hérité de négatif soit détruit pendant ce lavage. Seigneur, je viens aussi comme ça isoler toutes ces personnes de tout esprit de contrôle à distance. Enclos maléfique dans lequel on a mis les membres de votre famille. Je viens vous en sortir aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je demande que ta sagesse fasse que tes enfants, qu'elles ne savent, elles ne sachent pas seulement ce qu'il faut faire, mais qu'elles le fassent. Parce que c'est dans l'action qu'on a la délivrance. Seigneur, je demande ta sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut, sur chaque personne ici. De liberté. J'invite les anges, Saint Michael, l'ange Gabriel, tous les archanges, je vous invite ici. Je demande qu'il y ait libération, je demande qu'il y ait restauration. Que les personnes qui ont été opprimées, enfermées dans des boîtes, qu'elles en sortent aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je demande aussi que tu puisses donner le pouvoir à la parole de chaque femme ici représentée, chaque personne. Avec chaque homme qui est ici, que ces personnes puissent revoir, retrouver la vision que tu avais donnée au départ, avant même que ces personnes ne naissent. Tu as dit dans ta parole que tu nous connaissais avant la fondation des temps. Donc je demande que ce plan que tu avais pour chaque personne ici, qu'il revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ici, on a plusieurs générations. On a quelqu'un de 2 ans, on a des jeunes filles de 20 ans, on a des mamans de 45 ans et plus. Et chacun ici a vu, il y en a ici, c'est votre mère qui est là avec vous, il y en a, je ne sais pas. Je voudrais que vous puissiez comprendre que lorsqu'on fait un lavage, même dans la vie de tous les jours, je sais qu'il y en a, vous êtes attachés par vos parents, vous ne savez même pas que vous êtes attachés. J'insiste pour que vous écoutiez mes vidéos avant de venir me voir parce que je sais que quand tu vas m'écouter, j'ai insisté pour qu'on mette tous les téléphones sur le vibreur. Quand tu vas m'écouter, tu vas pouvoir identifier tes propres problèmes dans ta vie. Quand tu identifies tes problèmes, tu es en mesure de dire, je vois que ma soeur ne s'est pas mariée. Mon frère ne s'est pas marié. Moi-même, je ne suis pas mariée. Notre mère n'était pas mariée. Tu peux voir derrière quel esprit tu peux attaquer. Et quand un démon tombe de ta vie, s'il te plaît, quand un démon tombe de ta vie, sache qu'il tombe de la vie de toutes les autres personnes qui étaient attachées à toi. Maintenant, je veux que vous puissiez comprendre que quand tu poses un acte par la foi, aucun démon ne peut venir contre cet acte que tu as posé. Parce que c'est que le doute va venir dans vos têtes. Oh, est-ce que ce qu'il fait là même marché? Est-ce que... Votre foi doit s'activer de telle façon que vous compreniez que Dieu est dans votre cœur. Dieu est en vous. Je sais que vous aimez trop qu'on dise que Dieu est dans le ciel. Et si Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, il va passer par toi. Quand tu comprends ça, tu vas comprendre que je n'attends pas un homme pour être heureuse. Je n'attends pas une femme pour être heureuse. Et je vous dis tout que je m'accorde avec vous. Ce n'est pas moi qui fais le travail. Vous posez l'acte physique. Et Dieu vient agir pour confirmer. Et Dieu est où? Il est en vous. Je vous en prie, dites après moi, Dieu est en moi. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Dieu est en moi.
Dieu est en moi. Je sais qu'il y a encore l'esprit religieux là qui vient me dire, wow, Dieu est là-bas, Dieu dans le ciel, aide-moi. Dieu, non, non, non. Jésus est à mort sur la croix. Il ne va plus revenir encore mourir sur la croix. C'est fini. Et quand il a fini là pour le pouvoir, il l'a mis dans vos mains. Maintenant, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que toi-même tu as dit sur ta vie. Je ne peux que m'accorder selon Matthieu 18, versets 18 et 19. Si deux d'entre vous vous accordez, tout ce que vous allez demander, ça va vous être accordé par mon Père qui est au ciel. Le ciel là, c'est où? C'est où? Dieu est où? Dieu est où? Ok, je sais que vous allez, ça va vous demander encore du temps pour comprendre ça. Si Dieu est en moi, Dieu m'a donné le pouvoir. Pourquoi est-ce que je suis encore menacé dans ma vie? Oh, il y a telle personne, il y a telle personne. Vous allez voir que le premier outil que l'ennemi utilise, c'est votre propre bouche. C'est votre propre bouche. Quand il m'assoit en consultation avec vous, je vous écoute. Il dit que vraiment, la femme, si elle pouvait savoir que c'est sa propre bouche qui la descend. Tu sais, moi, je ne peux même pas, je ne suis pas, je n'ai pas, je vais faire comment? J'étais avec l'une d'entre vous ici tout à l'heure. Elle parlait par la femme, elle me dit, ah, il me reste seulement 1 million. Je lui ai dit que 1 million ne peut pas te permettre de vivre pour le restant de tes jours. Il va falloir que tu fasses l'autre argent. Maintenant, oublie les 1 million là. Considère que tu es allé dans une action, on t'a volé tes 1 million. Donc c'est parti. Cherche maintenant l'argent. Vous devez comprendre que rien ne vous est impossible si vous vous acceptez et vous vous croyez. Maintenant, je suis la deuxième personne, je précise. Je m'accorde avec ce que vous avez vu. C'est pour ça que quand quelqu'un vient à moi, il dit, oh, je veux la consultation. Si tu n'as pas encore écouté comment je parle, je ne peux même pas m'asseoir avec toi. Parce qu'on ne va parler de rien. Je vais encore vouloir te convaincre que tu peux quelque chose. Je vais encore vouloir te convaincre qu'il y a un pouvoir en toi. Je vais encore vouloir dire que non, 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 je n'ai pas le temps pour ça. Va d'abord m'écouter. Tu vois ce que tu peux faire. Tu vois d'où tu viens, ce que tu as raté dans ta vie. Il y en a ici, vous avez 45 ans, mais vous êtes encore attaché à l'esprit de vos mères. Ta mère, donc, ce qui a dérangé ta mère, là, c'est encore sur toi. Ça t'opprime. Ça te dérange. Certains d'entre vous sont vos ex. Tu arrives à te séparer de l'homme depuis 10 ans. Tu pars, tu reviens. Tu pars, tu le yo-yo. Tu pars, tu reviens. Tu commences avec un homme où il veut faire quelque chose de bien. Toi-même, tu viens gâter. Toi-même, tu viens gâter avec ta bouche. Tu dis, ah, je veux même plus. Après, tu restes à la maison 2 jours, 3 jours. Tu dis que je vais te repas encore avec mon ex. Et tu sais le mal que le cela te faisait. Certains vous doutez de vous. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, moi, je suis une petite femme. Ne t'inquiète pas. Tu dis que tu es une petite femme, je m'accorde avec toi. Tu seras bien petite. Tu seras bien petite. Certains ici parmi vous, on vous voit. Tu as la grosse voiture, tu as l'argent, tu as tout. Quelqu'un te regarde et dit, ah, qui me fait? Qui me met à la place de la femme là? Mais si on entend ce que tu dis de toi, ah, je n'aurai même jamais de mari. Une petite femme comme moi, regarde-moi. Qui va me m'aimer? Qui va me m'aimer? Qui peut? Et celles qui sont encore jeunes, là, les enfants de 20 ans, là, 20, 22, 23, 25 ans, là, je vous en prie, ne marchez pas sur les pas de vos mères et de vos pères. Si moi, on m'avait donné l'autorisation de prospérer plus tôt dans ma vie, ce que je n'ai pas attendu jusqu'à mes 30, combien d'années pour faire quelque chose? Parce que quand tu es jeune, tu crois que tu peux. Le père vient encore, oh, va à l'école d'abord. Finis d'abord toute l'école là. Tu as 20 ans, il faut encore 8 ans pour finir. Tu finis, on te met sur un salaire de 120 000. Tu as les rêves de 5 millions, 10 millions le mois. C'est quand tu as 47 ans que tu te décides finalement. Il y a des rêves que vos parents ont eu pour vous. Quand toi tu grandis, tu as le droit de créer tes propres rêves. Parce qu'ils rêvent pour vous avec leur peur. Et c'est ce qu'ils vous ont dit depuis que vous êtes né. Vous ne faites pas ça, ne pas là-bas. Non, où, ah, où. Tu es là comme ça. Tout dans ta tête, c'est ce que tes parents ont vu de toi. Tu restes dans la nuit, tu dors, tu rêves. Dieu te donne des rêves. Il te montre, tu es en Hollywood. Tu fais de grandes choses. Tu te réveilles, tu regardes ta mère, tu dis que, ah, si il dit ça à la mère, c'est là. Elle va m'insulter dans la maison-ci. Tu vois les grandes femmes, tu vas sur Instagram, tu vois les belles femmes, tu dis que je peux faire ça. Chef d'entreprise, je peux faire ça. Mais quand tu regardes encore à côté, tu te dis, ah, si il dit ça à la mère, c'est là.
Je dis toujours, même les jumeaux sont nés à des heures différentes, à des minutes différentes. Le bébé, c'est quoi? Tu es tombé. Ben, nage, tu te lèves seul. Et que ce soit un copain, que ce soit un fiancé, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, personne ne connaît les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Je vous le dis, comme on dit chez nous les Camerounais, on dit hoha. Je vous dis hoha, ça veut dire qu'il te dit ça cache. Tu veux, tu acceptes, tu veux, tu n'acceptes pas. Vous avez trop attendu que les gens viennent vous dire, je pense que tu peux faire ça, tu peux même aller là-bas, non? Après, tu dis que tu es sûr, je peux. Je peux. Non, je te dis, tu peux. C'est tant que tu oses croire. Votre seule barrière, c'est vous. Votre seul propulseur, c'est vous. Si tu as compris les deux choses-là, tu vas t'accorder avec moi pendant ce lavage. Matthieu 18, versets 18 et 19. Lorsque deux ou trois personnes sont là, je suis dans leur... Donc, il est là avec nous. Première chose. Deuxième, il a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre est lié au ciel. Tout ce que vous allez détacher sur la terre, c'est détaché au ciel. Et le ciel est où? Voilà. Je veux que ça rentre, je veux que ça reste dans votre esprit. Dieu va te parler par les idées qu'il va te donner. C'était d'entre vous, vous m'avez... Il y a une qui est en train de me dire que depuis janvier, quand elle est tombée sur ma vidéo, le soir, la maman s'est lavable le sel, jusqu'au jour où elle n'a pas arrêté. Il va déposer les idées en vous. Et Dieu va te sortir de ton pétrin par les idées. Arrêtez de dire que j'attends que quelqu'un vienne me donner l'argent. J'attends qu'un homme vienne me donner l'argent. Naweti. Vous comprenez Naweti? Je crois que je suis avec les Camerounais. Bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis en train d'enseigner. Je ne voulais pas vous choquer. C'est pour ça que depuis, je n'ai pas montré mon visage. Il y a des couches de blocage que vous avez eues. Il y a d'abord l'enfance. Certains d'entre vous avez grandi sans votre père, certains sans la mère, certains vous avez grandi chez les tantes, certains vous avez été dans des mariages de 20 ans où on a froissé ton image de toi. Certains ont subi des viols ici que vous avez même oublié. C'est plus tard quand tu as des difficultés avec un homme dans la vie que tu te dis, mais pourquoi c'est là que tu te rappelles un jour que quand j'avais 8 ans, il y avait un tonton qui venait souvent comme ça là. On appelle ça des accords. Tu passes un accord avec toi-même que tu vas te saboter. C'est comme ça qu'à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, quand tu as des relations, tu te sabotes seulement. Chaque jour, tu te sabotes. 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 Maintenant, vous devez apprendre à vous reprogrammer toute seule. Vous êtes venu ici ensemble, mais vous allez rentrer chez vous. Votre bagarre va commencer à la maison. Il y a des hommes avec lesquels vous êtes sortis. Avant de partir de la relation, là, tu ne comprenais même pas. C'était les mots que tu voulais voir. C'était l'oppression que tu voulais voir. Certains avaient peur de la puissance qui se trouve en vous. Écoutez, n'ayez pas peur de vous jeter les fleurs. Ah, tu sais, je veux devenir humble. Je veux être humble. Tu sais, je ne veux pas qu'ils croient que... Moi, qui t'avais ça. Il n'y a pas l'humilité sur ça. Il y en a parmi vous, vous avez été avec des gens qui vous ont opprimé, qui vous ont mal parlé. Parce qu'ils avaient peur de la puissance qui est en vous. Que si la femme, si se lève, elle commence à faire le business quand ça marche. C'est que vraiment, non, tu ne vas pas l'oublier, mais il va voir que tu auras l'argent. Plus que lui. Maintenant, je veux que ce lavage, il va vous donner l'autorisation de prospérer. La permission. Parce que, moi, quand je vous dis souvent, quand je vais faire des conférences, que si tu n'as pas la caïne, tu ne passes pas. Tu n'as pas la caïne, tu ne passes pas. Même si tu dois aller louer seulement, tu laisses ta Lamborghini, tu ne peux pas la caïne. Après, on fait les conférences de Lamborghini. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas atteindre. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être
humble. Arrêtez d'être. Oh, tu sais vraiment, chez nous, on ne fait pas comme ça. Je vous en prie. De toutes les façons, si vous voulez vous rester derrière, nous, on va avancer. Moi, je ne veux pas rester derrière. Je vous dis, moi. Voilà. Dieu va vous donner des idées, comme je disais. Vous allez rentrer à la maison. Certains d'entre vous, vous n'allez même pas dormir. Parce que cette nuit-là, ton corps, ta chair, tu vas sentir tes os. Tu vas sentir tes os dans la nuit. Mais c'est quoi ça? Une voix va te parler. Écris seulement le business si tu vas écrire. Écris ça, tu vas écrire. Écris ça, tu vas écrire. Parce que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle ère de votre vie. Certains d'entre vous, vous allez devoir déménager des maisons de vos mères là où vous vivez. Une femme, si tu as plus de 20 ans, tu n'as plus vécu chez tes parents. Je sais pas si. Écoutez-moi bien. Le problème avec le parent, c'est quoi? Le parent t'aime, il te protège. Oh, ne fais pas ça. Oh, ne va pas là-bas. Et il y a la façon de penser des parents. Si tu regardes la vie de tes parents, tu vois là où ils sont aujourd'hui. Si ce n'est pas là-bas que tu vas arriver, quitte de la maison de tes parents. Le meilleur cadeau que mon père m'ait fait dans ma vie, c'était de m'abandonner à mes propres frais et mes propres soins quand j'avais 22 ans. Quand j'ai accouché, mon père a dit que tu as suivi l'homme, tu m'as désobéi. Tu as fui, tu es parti en Angleterre, resté. Ok, c'est bon. De 22 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais demandé que tu fais comment pour manger. On n'en meurt pas, ça ne tue pas. Au contraire, tu apprends à devenir autonome et indépendante. Vous n'avez pas besoin d'insulter les gens sur ma page, ne vous inquiétez pas. Les vraies personnes, mes gens vont venir, mes gens ne vont pas. Mes gens qui ne sont pas les miens vont partir. Vous avez compris, non? Donc, il ne faut pas qu'on laisse un Facebook icône là pour déranger les gens. Voilà. Vous devez... décider qu'il y a des choses dans ma famille auxquelles je m'associais. Des façons de penser. Des façons de voir les choses. Moi, je sors de là. Il y en a parmi vous, personne n'a jamais eu une grosse voiture dans votre famille. Déjà, quand on dit qu'une grosse voiture, genre la Cayenne, ou bien même la Lamborghini, là, non. Tu restes deux, trois fois, Dieu te met ça à cœur. Tu n'oses même pas dire à quelqu'un. Ayez votre cahier, vous allez écrire vos choses. Deuxième chose, vous allez vous défaire des malédictions générationnelles qui vous ont été passées par votre famille. Parce que beaucoup d'entre vous, les trous dans lesquels vous êtes, ça vient de votre famille. La famille, c'est le moule qu'on nous donne, qu'on nous dépose sur la terre. Et vous allez, c'est pour ceux qui sont un peu avancés dans la spiritualité, c'est toi-même qui as choisi le moule avant de venir. C'est-à-dire que je préfère une mère qui est un peu zinzin, je veux un père qui est trop chiche, qui va souvent taper sur ma mère, et après, ils vont se séparer. Moi, je vais choisir de partir avec ma mère, je vais souffrir un peu. Toi-même, tu avais choisi. Maintenant, il est temps de se détacher de cela, de dire merci, tu m'as aidé, merci beaucoup. Les pensées de pauvreté, là, merci, vous m'avez aidé. Maintenant, je vous dis bye-bye. Et je vous ai bien dit, Dieu va vous inspirer par des idées, de nouvelles idées. Généralement, ce sont les idées que vous avez refusées avant. Et surtout, mettez l'action. Parce que beaucoup d'entre vous, vous attendez trop. Si tu as 5000 francs dans ta poche, on te dit, va faire le free, les beignets, tu vends avec 5000 francs. Va faire free, Nathan. Oh, je veux le fonds de commerce de 5 millions. Tu sais, je veux faire les beignets qu'il faut, on va dans la vitrine. Après, non. Va commencer avec les 5000 que tu as dans ta poche. C'est ça aussi qui vous freine beaucoup. Ah, je vais vendre à qui? J'ai besoin d'un homme qui va parler au client. Laissez l'homme, pardon. Laissez l'homme là. On n'a pas besoin de quelqu'un pour prospérer. Les personnes viennent ajouter, contribuer. Mais votre prospérité vient de l'intérieur de vous. Et je l'ai dit dans le direct que j'ai fait ce matin. Quand Paul a dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme commence à prospérer, tu restes comme ça, tout dans ta vie commence à s'aligner. Tu te maries, tu accouches, le business prospère. Je dis, mais attends un peu, pourquoi ça se fait que tout d'un coup, tout commence à marcher? Parce que ton âme, tu as laissé que ton âme commence à flotter. Voilà.
Donc, je voulais partager l'enseignement si avec vous là-bas en ligne avant qu'on continue. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Bonne soirée à vous, ok? Bye bye.